Démarrer la narration. Voilà. Alors, bonjour à tous. Alors déjà, il faut que je fasse une mise au point, parce que j'ai eu des commentaires qui sont assez impressionnants de négativité, même de méchanceté. Donc d'abord, je ne suis pas Dieu. Ni Jésus, ni Krishna Rama, ni Quetzalcoatl, ni Hormuz, ni Pythagore, ni personne. Simplement, ce que je fais, c'est que j'accueille le verbe. Et cela, tout le monde peut le faire. Enfin, il faut apprendre à le faire, mais normalement, tout le monde peut le faire, c'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer sur le bouton qui permet que je parle en ce moment, je demande à Dieu de parler par moi. Alors, ça s'est passé au cours des temps, dans des moments exceptionnels, où Dieu parlait par certains, d'ailleurs dans plusieurs langues. Là, j'accueille dans ma langue. Alors d'abord, je l'accueille par écrit. Donc ça, c'est ma manière de faire. J'aime beaucoup. Je peux aussi accueillir directement. Mais là, je le fais par écrit. Et après, une fois que c'est écrit, je le lis. Et je le lis devant la caméra, quand j'ai une caméra, ou devant, en podcast, comme ça s'appelle. Alors, donc, c'était un message du 23-12-2015. Et donc, j'ai accueilli Dieu. Et le titre, c'était « Ne crains pas de rompre quelques bornes de ton cœur ». Alors, vous me demandez mon numéro de téléphone. Moi, ça ne me dérange pas. Vous pouvez m'appeler au 06-33-35-04-49. Et puis je vous donne le numéro de téléphone de la communion qui se passe chaque dimanche. Bon, une communion, on peut en faire n'importe quand, mais la communion du dimanche, c'est un sacrement. Il n'y a pas de rituel. C'est vraiment le fait d'être, de vivre ce sacrement que Dieu donne sur la terre entière, où il se donne, comme le Père, puisque là on est plus nombreux qu'intimement avec lui. Puisque lorsque l'on est intimement avec lui, il se donne comme l'époux pour pouvoir féconder nos actes et notre présent. Bon, tout ça, c'est à expliquer. Donc, je commence. Dieu nous dit, amour mes chéris, mon bonheur d'être. Voilà l'état rempli de toutes mes capacités, de tous mes attributs. Si vous entendez du bruit derrière, c'est que je ne peux pas faire autrement. Donc, moi, je vous donne ma voix et il faudra faire un petit peu le tri. Amour mes chéris, mon bonheur d'être. Voilà l'état rempli de toutes mes capacités, de tous mes attributs, de toute éternité. Oui, de toute éternité. Pas seulement depuis que je te désire. C'est assez récent. 20 milliards d'années pour nommer ton espace. Oui, je pensais avant de créer ton univers. Pour ce Noël, alors il est vrai qu'on n'était pas encore à Noël, pour ce Noël, j'aime que tu réalises que tu ne peux connaître le bonheur qu'en désirant savoir les formules du mien. Par ton monde, tu as quelques approches évidentes. Le bonheur d'être est lié au plaisir, à la beauté, à la croissance, à l'infini. Si tu vis dans le contraire, tu es malheureux, ou tu vas l'être. Je suis donc le bonheur de ne vivre que dans ces cadres qui n'en sont pas. Tu sais que tu ne vis pas le bonheur d'être, surtout si tu te crois mortel encore. Tu as une création à peine effleurée pour la même raison, la mort ne comprend pas l'amour, et vice-versa. Mais c'est quand même le fait d'aimer qui t'ouvre les plus grandes joies, et ce que je t'ai cité ultérieurement. Mon bonheur d'être n'avait pas besoin d'amour. Mais il a, grâce à toi, trouvé une autre nature. Willy a pu s'envoler. Alors, ceux qui écoutent les messages savent qui est Willy, pourquoi il a existé, comment il a existé, et surtout pourquoi Dieu en a eu besoin. Mais c'est vraiment Willy Baruch, un homme de ce siècle qui est parti de la terre et qui vit et qui nous aide. Willy a pu s'envoler grâce à l'amour donné par ma manifestation bien réceptionnée, qui lui parut nimbée d'un bonheur que ma verve, mon enthousiasme et ma passion dessinaient en permanence.
Pour Jeanne, Geneviève, c'est bien sûr nos liens de tendresse. Alors, il faut savoir que cette manifestation ultime a eu un foyer. Donc, l'épouse s'appelait Jeanne, et sa fille, qui recevait Messidor, qui veut dire les moissons, vous devez le savoir, s'appelait Geneviève, et elle est partie de la terre. Pour Jeanne, Geneviève, c'est bien sûr nos liens de tendresse qui les individualisent en moi. Pour toi, donc là, il nous parle à nous, il faut l'échange. Quand il arrive au point de fusion où tu te sais investi de moi, naît une forme de bonheur. C'est la cohésion de la communion, que les paroles traduisent difficilement car communiquer prend son vrai sens. Ce plaisir éprouvé révèle le mien, celui qui ne naît qu'à deux, quand deux entités se comprennent et se dévoilent. Mon vœu de l'origine prend corps. Le tien ? Non. Pardon, non, il y a une erreur là. Mon vœu de l'origine prend corps. Le tien, ah oui, d'accord. Non pas celui d'une manifestation supplémentaire. C'était une anomalie obligatoire, mais qui a vécu. Jésus, en vérité, ne parle pas à grand monde. Ma manifestation Georges Roux en forme humaine restera avec le temps un beau souvenir, jusqu'à ne plus être petit à petit que des photos. Sauf pour mes enfants directs. Alors, il faut savoir que non seulement il a eu une épouse, mais en fait, il a eu 6 enfants. Sauf pour mes enfants directs qui, à leur naissance, n'ont pas reçu le cadeau de l'existence, mais celui de la vie. J'ai été leur papa. J'ai voulu la responsabilité totale d'un foyer qu'il me fallait pour mon œuvre et qui était le noyau dur ou l'extrême éther de la substance de la nouvelle civilisation, celle de ma cité. Toi, tu es le fruit de l'essence de la perfection de ce futur. De plus, le cœur de maman de Jeanne enchaîne ses enfants en elle pour que l'original de leurs origines garde l'ébullition de leur parfaite nature. Pour toi, je ne suis pas le papa, même pas le père. Je sais que tu en as la nostalgie, mais j'ai évolué par mon œuvre. Me désirant encore par l'amour filial, te laisse mon enfant et un tout petit enfant. Je suis le fécondateur. Entre la lave cachée et l'éruption qui désintègre le sommet de la montagne, il y a une différence. Bien, une nouvelle année commence. Pas tout à fait pour tout le monde, mais grâce aux médias, énormément de membres de mon humanité vont faire des hauts et des has devant les artifices des jolis feux qui partent en fumée. Mais à l'image de la rotation de la Terre ou de la température du Soleil, 2016 ne changera rien. Je vous fais la promesse d'assurer le moteur et les chaudières comme à l'origine de ton univers. C'est mon engagement. Les tiens ne peuvent pas être de ces teneurs. Ils sont aussi importants. Dois-je te rappeler que tu es ma création, la plus fine, qui n'ait jamais existé, puisque rien dans la création classique, autre que toi, n'a été doté d'une quelconque liberté. Tu as bien été composé à mon image. Je vais te faire une confidence. Avant toi, je n'avais jamais aimé. Cette notion, je te l'ai expliquée, n'avait pas besoin de prendre une place dans mon bonheur d'être. C'est d'ailleurs l'explication qui te dit que tu n'en es pas investi naturellement, alors que le bonheur te presse. Avec toutes mes créations, j'étais toujours seul, sans altération de mes plaisirs et ma joie. La liberté d'aimer contient le besoin de l'autre. À partir du présent où j'ai produit un vide en moi que toi seul pouvais combler, rien ne pouvait endiguer le flot de ma passion. Comme au cours des siècles et des millénaires, la fin de ton existence te réduisait au néant, par ma seule volonté que la vie soit toujours à deux, j'ai pu finir par te nommer que tu étais le premier homme, la première femme. Le 1er janvier 2016, parce que la vérité des sentiments touche les âmes, je me suis offert un plaisir rare, dont Joël était l'instigateur, alors donc c'est un disciple, Monique, qui est un disciple aussi et donc mon épouse, Monique le témoin, Roland ma voix. Ma fille Jacqueline, invitée chez Monique, comme il se doit avec des civilités émotionnelles, dans un premier temps aima très particulièrement l'accueil général de ma parole,
puis excessivement précis par toi, Roland, d'abord par la prodigieuse réalité nommée de mon parfait amour pour elle, puis ce qu'elle ne pouvait pas croire ni entendre, car formaté par la rigueur empêchant toute extrapolation, même vraie, pour des raisons compréhensibles de protection de la mission. J'arrête le suspense. La multiplication des sacrements de certains éclairés ne craignant pas de rompre quelques bornes de leur cœur, les ayant amenés au fait précis que la vie est une marche en avant et que la communion sacramentelle dominicale permettait ma fécondation, de toutes les investigations dans le domaine du cœur. Je violentais Roland pour que ce qui lui donne des bonheurs vrais se transmette. Et Jeanne, celle qui partagea donc ma vie existentielle, donc la maman de Jacqueline, entre autres, lui exprima sa tendresse d'exception, lui définissant la réalité de sa naissance, lui nommant son profond amour pour son chemin de courage, jusqu'à ce que sa fille bouleversée lui nomme « Maman chérie, je t'aime ». La mère et la fille unies par-delà l'apparence, dépassant le « cela ne peut pas se faire » ou se dire, sous mon regard, osant le naturel de la vie qui nie tout enseignement, ce que je veux sur la terre depuis l'origine alluma son étoile, au sein de mon foyer. Pour les présents, ma cité vivait, car au-delà des élans donnés et reçus, mon amour tout-puissant étreint intimement chacun, les portant au point de s'éprouver mes amoureux. La communion dominicale fut dans la même veine, sauf que pendant 2 heures, les doux sentiments vous ont investi de l'immense confiance que seuls ceux qui s'aiment connaissent. L'année a donc commencé, dans ses drames, ses orgueils. Pourtant, des zéphyrs de tendresse ont remplacé ton atmosphère. Il est certain que ta voile doit être tournée du bon côté et que tu es obligé d'alléger le bateau de ta matrice. De tout ce qu'il enfonçait en dessous de sa ligne de flottaison. J'espère que ça va se calmer. Merci. Je ne parle même pas de tes manques. Ils sont obligatoires si tu lâches ma main. Pour goûter aux affinements de la tendresse, tu dois violemment prendre d'assaut la place forte de la liberté d'aimer. Et les mots ne suffisent pas. Ton amour va à quelqu'un. Seule une présence peut t'aimer à son tour. Très très longtemps, tu ne pouvais espérer, à juste titre, qu'une réponse de moi. De moi-même. Ce n'est plus depuis déjà 2000 ans le cas. J'aime et je suis aimé. Et comme l'ivresse ne tient pas compte des flacons, même si c'est mon œuvre, j'en vis le bonheur. Tu sais maintenant que tu en accumules un autre. Tes élans, ta sensibilité, l'exigence de ta communion m'obligent à des réponses impossibles hier. Ta prescience de la fécondation évolue vers la révélation de mon être en tant que fécondateur. Le cycle saisonnier est fécondé, précieux pour toi. Les étapes des fêtes de l'année le seront aussi. La plus près maintenant, Pâques va nous offrir des moyens inédits. D'abord car la vie ne recule pas, mais surtout parce que Noël m'a permis des investigations dans vos sensibilités jamais atteintes. Beaucoup sont investis des naissances, des attributs qui font mon état. Apprends avec moi à cultiver les goûts sûrs qui appelleront ma fécondation. Je sais, c'est un mot. Tu n'auras aucun doute quand tu arriveras au but. Ta certitude est dans ma présence éprouvée, celle d'amour. Mais comme tout père qui rêve de transmettre ses valeurs, je veux te voir croître dans ce qui te constitue déjà, l'esprit. Regarde ma création, éprouve les êtres de lumière. Tu ne peux qu'avoir envie d'épanouir le germe de ta vraie nature. Ta liberté totale est en elle. Pour le présent, sans le savoir, tu en as plus l'illusion que la réalité. Mais mon amour pallie à toutes les carences. Belle année, amour mes chéris, votre Dieu.